une batucada, donc une fanfare de percus brésilienne, couplée à une flash mob. Une flash mob, c'est un rassemblement de personnes sur une place publique. Donc on fait une fanfare pour faire du bruit, pour faire plus de percus pour moins de détritus. On invite tous les Réunionnais à participer, à venir nous rejoindre avec leur instrument qu'ils auront fabriqué eux-mêmes avec un objet de récup, pour faire donc du bruit autour de la thématique, attirer l'attention sur le fait qu'il est urgent de se mobiliser sur la réduction de nos déchets pour limiter l'engorgement de nos centres d'enfouissement à La Réunion. Alors aujourd'hui, c'est la journée de lancement en fait, de la semaine européenne de la réduction des déchets qui aura lieu toute la semaine, donc du 20 au 28 novembre. Ça se passe sur tout au niveau de l'Europe, surtout d'Europe, et c'est relayé à La Réunion grâce au réseau développement durable qui existe à La Réunion, grâce à tous les porteurs de projets qui se sont inscrits en nombre. On a 70 actions inscrites cette année à La Réunion. Et voilà, donc une grosse manifestation relayée en local. On va dire que beaucoup d'initiatives tout aussi originales les unes que les autres seront portées cette semaine, mais c'est vrai que c'est celle qui est la plus festive, on va dire, c'est celle qui va faire le plus de bruit.